12, 73, 51. Allez, je te copie, mais alors c'est pas bien fort. Hein. C'est difficile de le copier là. On se fait avec, hein, écoute, après, voilà. Tout ce que j'arrive quand même à t'entendre, j'arrive à découper pas trop de kilomètres sur le GDR ce soir. Donc ça me fait bien plaisir de t'entendre, ils ont bonne place, que ça va bien, que t'as passé de cette. Voilà, que t'as pas trop passé de temps sur la banque, là, cette de ça va bien, enfin voilà. J'en ai eu quoi, donc je pourrais essayer de te bricoler ça. Ce qui va me manquer, c'est de la PL, par contre.
APL. Pour ce diamètre de câble, j'en ai pour du 11 mm et j'en ai pas pour du 6. Donc, ailleurs, c'est ça qui va manquer. Voilà. Je sais pas si t'as un plan pour récupérer de l'APL, l'APL mâle. Si on fait cette une belle semaine, je vais me débrouiller. Écoute, je vais voir ça. J'essaie de regarder si je peux bricoler. Après, faut que je retrouve le plan d'un oeil, mais si j'ai trouvé un bon plan pour monter une Scooby-Doo. Mais il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Voilà. Bon. Bah, s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer en QSO, là, on est à l'écoute. Là, il y a Doudou qui est avec moi. Ici, c'est 14B à 860, c'est Lido. On est à l'écoute, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous voulez faire un coucou, voilà, c'est tout ça. On va laisser un petit blanc, Doudou, et puis laisser en faire prendre le micro. C'est vachement mieux là, ça c'est pas... Oui,
train de remplir mes petits pots là de mixture de pour ma cigarette électronique là. Et bah, forcément, il faut les demain. Voilà. Comme je le fais, pour la vape, j'étais à court là. Juste, je voulais faire le tous les sauts. Tiens, allez, j'ai fumé un petit coup avant d'y aller. Et puis, il fallait en faire à la vite fait exprès. Voilà, j'ai fait de la bonne. Si vous en voulez, je vous en demanderai un petit peu là. Bon, mais c'est bon, ça y est, je suis prêt. Avant toute chose, je tiens à Ludo, tant que j'étais là dans de bonnes conditions, comparé à tout à l'heure, à fêter de vive voix tous mes meilleurs vœux là pour cette nouvelle année, ainsi que d'ailleurs à toi aussi, Doudou, là, qui m'entend, et ainsi que à ceux qui m'entendent aussi, là, sur le WBR, là, comme je ne suis pas revenu en vacances, là, depuis le 1er janvier. Voilà, bonne année à tous, comme ça, c'est mieux de vive voix, j'aime bien. Que c'est bien d'écrire sur le clavier, mais c'est mieux de le dire des voix. Voilà. Écoute, je rentrerai tard, on a mangé la vie sur vous. Et puis je me suis calé avec le derrière l'ordinateur, histoire de me reposer un peu. La journée a été relativement rude, parce que c'est ma première journée sans médoc, sans soins. Et donc, mais le contre-coup est là, hein, tout simplement. Donc, je suis un peu encore vaseux, là, ce soir. Et l'impression d'avoir fumé 40 jours, hein, voilà. Et c'est énorme. Fred, tu m'avais dit que tu t'étais tapé une belle grippe, là, donc... en général, ça te laisse sur le carreau, quoi. Non, mais écoute, j'espère qu'on n'aura pas d'autre, que ce sera la grippe de l'hiver, qu'on n'aura pas d'autre. Ça fait
fini encore. Demain, repos aussi, tranquillou. Et lundi, j'espère pouvoir rembaucher le patron à faire la gueule. Donc, je viens de lui estimer le contrat au CDI. Je comprends bien, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, autour Ludo, à Paris, on fait tourner. Entre parenthèses, Doudou, si tu as du mal à passer, n'oublie pas que tu as le Zélo qui doit fonctionner là. Si tu veux passer par la passerelle internet, il n'y a pas de souci. C'est en route. Ok, merci du retour. Mais bon, ben voilà, on va profiter de la fin d'année à Chine. C'est comme ça. Moi, ça va cette année à part les rhumes, pour la fin tranquille. Pas de gastro à l'horizon. C'est le truc qui se passe. J'aime le blanc. Ouais. Voilà, bon. Allez, à toi, Doudou. Ça passe quand même mieux, hein. Ça aide, c'est sûr. Faut pas hésiter à tourner le bouton court. Hein. Tu le pousses à fond, ça, normalement il n'y a pas de souci, c'est fait pour fonctionner à fond. Faut pas trop l'exploiter quoi, l'entrée c'est tout. Hein. C'est comme les pas ça taille, un peu quart de tour. Donc du moment que tu le rentres pas trop dedans en entrée, derrière le diamètre à fond. Hein. Parce que là t'es pas clé d'un signal, pourtant. Bon. T'es juste à côté là, t'es passé de 1 à 3, quoi. T'as gagné 2 pions ici de mon côté, et ouais, c'est nettement plus confortable. Le tout branché sur la lune cigare, c'est pas comme il y a un là, en ampère la gare. Mais bon, même si t'as 30 ampères sur ton 12 volts, tu tires pas 30 ampères sur ton allume cigare. Hein. T'es loin d'y être normalement. Donc bon, voilà, si ça, de toute façon, tu vas voir, hein, si ça fond quelque part, ça sera en premier à l'allume cigare, à mon avis. Matériel, mais par contre, c'est pas en watts, tu dois te dire combien, Maxi, aïe, mon fil est trop court sur mon casque, ça m'emmerde des fois, putain, vive le sans fil, hein. Ah, j'aurais dû commander ça en Père Noël, casque sans fil. Oui, je disais, en 100 watts, ouais, 15, 16, 16 ampères, Maxi, tu as tiré, donc ça va, c'est de la marge. Hein. C'est bon, ouais, tout à fond. Ça marche bien, tout à fait. Ouais. Non, c'est bien, quoi. Ça, la MPK touche plus, là. Bon, de toute façon, après, il ne module pas pendant un quart d'heure, donc il a filé, donc ça le traîne, on va dire, un petit peu entre deux passages, c'est bon. Voilà. Bon, on va lui faire bien passer, c'est de fin d'année, tranquille. Ah oui, on a mangé comme des glorés. On a vu comme des trous, tout va bien quoi. Je disais à Doudou tout à l'heure, le chocolat, on en a en quantité, on ne sait plus quoi en faire. Enfin bon, j'exagère un petit peu, mais on a quand même en quantité. Alors ça va, on a récupéré le petit bonhomme qui est en vie de vacances, il va pouvoir nous aider à écouler les stocks, ça va être bien, il va être content. Donc voilà.
la tempête, il y a eu de la flotte, enfin bref, voilà, donc... Normalement, le lendemain, c'est pas comme on dit, c'est une fange. Bricole, Made in China, New Wear, ou un truc comme ça, ouais.
cher aussi là. Moi j'avais un lot là pour 22 euros livré là. Le micro, la moute et même le par vapeur, l'espèce de rond là qu'on met devant pour les pop là. La mousse micro et puis ouais, l'articulé là, vous avez quelques euros livrés par là sur Amazon. Mais je préfère la bonne cam, là, juste rebattre un autre coup. Mais moi ce qui me chiffonne un peu sur ces micros là, il faudrait que je change le câble. Moi sur ma table de message, sur en format, je sais plus comment on appelle ça là. Ouais, bon, c'est pas les mêmes fiches, quoi. Il faudrait que je refasse le câblage. Et puis ça serait pas mal. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je peux plus brancher de micro. J'ai tellement fait de montage à la Wonegate, là, de mon côté, pour faire plus mon bruit à la radio, que j'ai plus de place pour brancher un micro. Donc j'avais abandonné. Ça marchait bien, à l'époque, hein. J'avais fait le droit d'essayer avec un micro de merde, là. Bon, ça venait pas terrible. Je l'avais refait des essais avec un autre micro. Et c'était carrément autre chose. C'est très bien. Bon, j'ai essayé trop longtemps, parce que c'était pas mon micro, puisque un putain de bon micro aussi, on dit qu'il valait une fortune. Qu'on avait juste peut-être été délicatement. Ça marchait. C'était phénoménal. Et tu vois la différence contre quand même entre micro d'entrée de gamme, on va dire, et puis micro de compète. Hein. C'est impressionnant, rien que par rapport au préampli, l'autre fallait que je casse pas. Celui-là, je mettais un cran, pop, c'était bon, hop. Pas besoin d'aller plus loin. C'est quoi, c'était vraiment bluffant. Surtout après quand t'as le bon retour pour son sur les enceintes, c'était bluffant. Ouais. Et je me suis dit, bon, un jour, je vais en racheter un. Mais tu vois, tu m'as redonné le plat, donc il va falloir craquer. On a eu plein de sous, on a été tellement gâtés qu'il faut les dépenser, c'est sous, et puis voilà. L'autre, c'est. Ouais, donc. À voir. Vas-y, Doudou. Évidemment, Doudou, non, c'est très très content. Bon, tu fais à manger, tu regardes la télé, tu fais de la radio, tu fais ci, tu fais ça. Donc, on sait très bien que tu nous passes en direct sur Facebook. Dès qu'il te parle, on le sait qu'il y a des moments où tu. Ouais, voilà, ça bug de ton côté. On a bien pris, t'inquiète pas. Ouais, on parlait de micro. On parle de micro, ouais, qu'on se les mettait là où il fallait pas. Très bien. Ouais, mais le concept est bien, moi, les micros Bluetooth, moi j'aime bien les touffes aussi, hein, donc pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant, ouais, ça peut être intéressant, mais avec la liberté de mouvement déjà, ça amène un confort, un énorme confort, surtout toi par exemple, ouais, quand tu conduis, voilà, c'est comme si tu avais une oreillette sur ton téléphone, quoi, c'est en Bluetooth, donc, ouais, faut essayer, il faut peut-être faire une recherche sur un truc qu'ils ont déjà essayé, ou alors soumettre ça à un test à notre ami Rémi, testeur officiel d'objets connectés dans le monde de la radio, pourquoi pas, faut laisser un message sur Facebook, on sera peut-être ravis de le faire, je sais pas, juste essayer les touffes, peut-être ça marchera mieux. Ouais, tu parlais de micro là, ouais, celui que j'ai trouvé là, j'ai payé 18 euros. J'ai acheté le bras, c'est le bras qui
mettais le micro bien du bastonnet parce que c'était trop. J'avais mis avant il était à 100%, ça j'avais mis à 30%, donc voilà. Et j'arrive à parler pas fort, tranquille, même pas de dedans, enfin, c'est vraiment beaucoup plus confortable. C'est, je trouve mal hein, pour le prix. Bon, j'ai pas enregistré les chanteurs avec, machin, faire des concerts ou quoi, mais c'est un super micro pour faire de la radio, là, c'est très bien. Avec un equalizer pour compenser, ce serait parfait. Bon, je l'ai démonté quand même, j'ai ajouté du feutre à l'intérieur. J'ai mis deux couches de feutre. Alors, c'est du feutre qu'on trouve chez le rabbin pour mettre au fond des tiroirs de cuisine pour que ça glisse. Donc, un truc qui atténue un petit peu le son pour avoir un truc un peu plus feutré. Voilà, j'ai fait cette modification, je trouve ça tout pas mal. Et après, le truc aussi que j'ai là, c'est que j'ai fait un étage de. C'est un micro, il faut alimenter avec un peu de courant. Ça sert du 5 volts qui est fourni par le poste de radio. Et en fait, derrière, donc, je fais un petit montage, puis là-dessus, j'ai mis un petit filtre d'entrée qui filtre tout ce qui est au-dessus de 15 kHz. Voilà, pour éviter les retours HF. Donc, ça marche bien, mais le défaut de ce montage, c'est qu'il a tendance à amplifier les sons qui sont autour de. Au-dessus de 3 kHz, enfin de 3 à 10, il y a un pic. Je pense qu'on peut tomber. Il y a une bobine et un condensateur, elle doit tomber sur une fréquence de résonance. Là, du coup, quand cette fréquence-là sont amplifiées un peu plus que les autres. Donc c'est pour ça que je cherche à compenser un peu ce truc-là. Donc c'est pas le micro qui est mal équilibré, c'est vraiment le montage que j'ai ajouté moi. Donc voilà, et je pourrais faire aussi jouer les mises à l'écolisation qui est intégrée dans le poste, mais je ne sais pas si l'entrée est plus adaptée à mon micro à main, donc quand je mets le poste dans la voiture, mais voilà, j'ai pas envie de constater tous les réglages à faire. Donc je vais faire un petit montage comme ça, c'est l'écolisation 5 ans, que je vais pré-régler, pas besoin de mettre une boîte extérieure accessible, ça sert à rien. Une fois que je vais régler comme il faut, enfin, je ferme la boîte, c'est sûrement pas plus. Je vais aussi mettre une petite pédale pour passer en émission, parce que là j'ai un petit interrupteur là, que j'actionne à la main, j'ai une petite pédale sous le bureau là, pour passer en émission. On trouve ça à 3 balles et demi sur le bord de là aussi. Et puis un peu plus tard, je vais m'attaquer à l'étage de sortie du poste, donc au niveau de l'ABF, je vais me faire un petit équaliseur à 10 bandes cette fois-ci. Donc c'est pareil avec le même type de schéma que j'ai pour l'équaliseur 5 bandes, mais 10 bandes là, que j'ai déjà sur le site Sonic, qui est super bien. Voilà, mais qui n'a pas trop de composants, c'est à peu près gérable. Donc je vais faire ça, un équaliseur, et puis un petit amplificateur de fréquence pour attaquer un haut-parleur. Je vais bien m'amuser avec ça. On verra un peu plus tard, on va charger les collisions d'entrée, on verra pour la sortie plus tard. Mais bon, ça m'intéresse d'avoir un confort d'écoute un peu meilleur hein, Bon, ça permettra de virer quelques parasites, peut-être un petit peu. Bon, voilà. Donc je vais me faire ça prochainement, donc ça va être très simple. Voilà. C'est un peu l'électronique, et puis comble de bonheur, c'était que le petit écran après, là j'ai tout ce qu'il faut dans la maison, avec que les trucs de récup pour le faire, donc ça va me coûter que dalle, enfin, si c'est 8 ans, voilà, donc ça va être cool. On va pouvoir faire un petit montage, voilà. Retour au frélo. Eh bien, je vois que la liste elle s'allonge, hein, c'est gaffe, hein. Je veux plus savoir quoi faire à force. Tout le monde aura truc à faire. Puis c'est bien. Ah, c'est sûr que ça améliore grandement le confort en temps d'émission qu'en réception. C'est royal. Moi, je l'ai vu de suite quand je commençais à mettre l'entremise des enceintes. Après, bon, la table, ceci, le cela. Puis une fois que t'as tout bien normal, t'arrives à trouver un réglage. Après, c'est juste. Là, quand tu es sur la chaise ou bureau, là, c'est royal. La troupe à ton truc, là. Perso, c'est vraiment royal. Ça détruit aussi. C'est vrai que ça n'est pas.
pas mal, mais j'ai une sacrée merde de rien qu'en faisant un bon réglage au niveau du son là. Ça nettoie bien quoi, c'est vachement agréable. Ouais. Bon, on pourrait faire mieux avec un système anti-QRM, machin, ceci, cela. Mais déjà, rien que ça, ça apporte beaucoup, beaucoup de confort. C'est vraiment beaucoup plus plaisant après à faire de la radio, c'est sûr. Faut pas en AM, ça j'aime bien ici, mais en USB, ouais, c'est royal. Hein. En local comme ça, là ici, là, tu me sors, c'est vraiment prof. C'est royal, c'est vraiment plaisant à t'écouter. C'est vrai que ça lâche le gros. C'est vrai que ça ramasse par contre derrière. Je me rappelle, je crois que c'est lors des premiers essais. Il n'y a pas longtemps, hein, je crois, que j'ai entendu justement faire tes premiers essais là, sur le 27, en te servant de SDR numéro 2. Les premiers essais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez lui? Parce que j'entendais tout ce qui se passait autour. C'est impressionnant, hein. T'avais l'impression d'avoir posé un micro en plein milieu de la maison et ça ramassait tout costaud quoi, parce que ça bombardait ses verres. Ouais. Mais t'as bien configuré le truc là. Ça entend pas mal. Ouais, on essaie bien de faire impeccable. Ouais, bah c'est vrai que j'étais vraiment impressionné par la sortie des trucs. Du coup, là, j'ai la vérité qui est derrière, ça regarde une sur l'ombre. Donc, c'est pour ça qu'on parle un peu de lui. Mais, ouais, j'étais impressionné aussi par la récupération de tout le son, tout ce qui se passe autour et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis du feu à l'intérieur pour atténuer un peu la sensibilité, voilà, quelque chose d'un peu plus, un peu plus feutré, quoi, comme son. Mais c'était le micro lien, parce que c'était le micro, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça marche pas mal. J'étais impressionné par ce niveau de sensibilité, et puis c'est pour ça que j'ai branché sur l'ordi le micro pour le tester via lui, et vraiment, je trouvais que ça donnait un bon résultat. Bien sûr, les graphiques qui sont complètement nickel reproduits, mais bon, c'est sûr que je suis censé. Avec un petit peu d'électronique, donc ça va aller. Mais ouais, c'est sûr que pour arriver à avoir ce niveau là, de sensibilité, ou du moins un truc qui s'en rapproche un peu, avec le poste précédent que j'avais, le petit Alain Co, je fais ça un montage préampli, j'en avais parlé longuement en fréquence, le petit montage préampli que j'avais glissé dans mon micro. Mais c'est vrai, il a fallu que je mette quand même un peu de défis chroniques pour arriver à avoir une amplification. Et là, juste le micro lui-même, il fait tout. Donc, je vais comparer avec le micro à main. Le micro à main est plus dans les graves, il laisse un peu moins passer les. Il est quand même moins sensible, il y a un peu de bruit quand même derrière, mais donc. Voilà. Après, je prends ça pour une qualité, tu vois, la sensibilité du micro. Quand tu fais l'enregistrement en studio, c'est pas censé avoir du boucan autour de toi, c'est pas un enregistrement en donc, voilà, je prends ça pour une qualité pour activer le micro, je trouve que c'est bien. Mais bon, ouais, c'est vrai que là, en intérieur, bon, mais qu'il y a du monde dans la maison, ouais, ça se rend. Alors, au moins, c'est bon que ça vive chez moi. J'ai retourné le micro à Loulou, je sais pas si tu es en train de passer sur Facebook ou faire à manger, là, mais si. Petite parenthèse aussi, on en reparlera après, là, mais on a le projet de monter une antenne Scooby-Doo là, chez Loulou, hein, parce que c'était plus possible. Hein. Voilà, Achis, retourne de Loulou. Vite fait, 73 Doudou, 73 Fredo, 73 Bido,
C'est ce que je vais passer devant le texte, voilà, allez, retour, Ludo. Eh bien, ça serait continué à toi, Eric. Bah écoute, bonne année à toi aussi, merci, c'est sympa, c'est un petit tour. Ça s'est bien passé aussi pour toi. Ça va trop s'élixer. Voilà, que les bandes d'avant ont été montées, tout ça, et puis que tout va bien, hein. Bon, là, ça c'est le sujet d'attendre, ça me fait une petite raison mon garçon, salut à toi Eric, j'espère que tu vas bien, ça fait bien plaisir de te entendre, la bonne année à toi, même si je t'ai déjà souhaité, là je te dis, je vois, tous les meilleurs vœux pour 2018, mais écoute, je suis content que tu sois là, il y en a un qui va faire des bons là, petite parenthèse, juste comme ça quoi, ouais écoute, comment vas-tu mon petit Eric? Ça va, un peu crevé là parce que j'ai passé ma journée dehors aujourd'hui, j'étais venu ça, bon, ça a fait du bien, bien peu. Malgré le bon sabre aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'être oxygéné. Et voilà, la fête tranquille, vraiment sans excès. Voilà, vraiment, on pourrait répondre à la question. C'est vraiment sans excès, c'était vraiment tranquille, juste à la nuit. Le minimum tranquille, voilà, non mais bon, c'est, des fois c'est aussi bien, hein. voilà, et puis, bon, j'ai eu l'occasion de voir Doudou, donc je reçois quand même bonne année Doudou aussi, parce qu'on s'est vu quand même dans la semaine, hein, voilà, et puis, sinon, rien d'un peu de particulier, oui, je fais un petit tour, malgré, mais je suis comme tout le monde, moi, j'ai des occupations, ouais. Donc je crois que vous pouvez vous comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, voilà, on est en train de voir voilà, c'était un petit coucou pour petit passage, et parce que là, je te dis, je suis vraiment cassé, et je ne resterai pas trop longtemps, histoire de vous saluer, messieurs. Allez, retour pour Doudou. C'est difficile, pourtant Doudou il n'est pas très loin, mais le retour est plus petit que d'habitude, peut-être la propagation. C'est... Voilà, mais retour de Lilo. Hein. La canne à pêche, c'est assez long, Eric, pour aller te percher, te pêcher, là, chez toi. ouais, je reprends le lycée, là. Mais non, c'est cool, la pêche. Moi, j'aime bien. Ça fait des années que j'ai pas été à la pêche. Pourtant, le matos, c'est joli, hein, au garage. La vie prend la poussière. Ouais, je suis équipé, en plus, pour aller en mer. Je suis équipé pour aller dans les ruisseaux, là, avec une galatrice et le, comment on appelle ça, les brochets, et puis les petits black bass, là, bien combattants. Bien enroulé là, bien stocké, celle-là, il n'y a pas de souci. Mais je dois avoir une partie quand même qui a dû dérouiller là, parce que j'avais quelques fuites là, il me semble que ça avait pris l'eau. Ouais, faudrait que j'aille vérifier. T'as toute la flotte qu'on a eu ces derniers temps là, mais tu vois, tu m'as fait penser, il faudrait que j'aille voir le matos de pêche. je vais le louper dans un coin là, tu vois, en parlant de pêche. Tout qu'on parle pas souvent de pêche à la radio, tiens. Comme quoi. Tac, le papier, voilà, c'est une autre nuit, comme ça, j'ai réfléchi en sauveur, tout ça. Mais c'est moi, la pêche, j'aimais bien, j'en faisais beaucoup avant. Mais j'avais le temps, putain, j'avais le temps, et puis mais j'avais surtout la passion d'aller à la pêche. Maintenant, je ne plus trop, hein. J'ai pas le temps, encore moins le temps, et puis les enfants surtout. Mais j'allais surtout pêcher après, quand j'allais au pays là-bas, dans les belles rivières là, qu'on a au Pays Basque, là-bas je me régalais quoi. Il y en avait du poisson, puis c'est la pêche un peu sportive quoi. Et ça c'était mon plus grand défi que j'allais là-bas, allez, à la pêche quoi. Vas-y Eric.
Non, pardon, j'ai piqué la place, la lune. Oh, à toi, lune. Il n'y a pas de soucis, t'as piqué la place, t'as personne, de toute façon, moi, la tâche, je ne sais pas, je ne saurais pas en parler, donc, je ne sais pas faire. Enfin, je sais que quand je suis gamin avec Gucci, et puis, à la maison, et deux, trois verres de pierre récupérés dans un compost chez mes parents, mais rien de violent, quoi. Donc, on voit la vidéo, voilà, on voit la vidéo, on en parle, c'est rigolo.
Bon, de toute façon, Radio Brook, je suis ici, c'est pareil, hein, ce sera pas 8h ou 7h du matin, hein, voilà, donc c'est pas de problème. Il faut qu'on se mette à l'abri quand même, hein.
Attends, ils sont équipés maintenant, les gosses, en 2018, au top, c'est pêcheur 2.0. C'est vrai, il y a le parasol de pêche, il y a le siège de pêche, et l'autre, là, c'est le groupe, il y a les deux qui sont. Ben, tu vois, voilà. Et moi, j'ai un ami qui est relativement âgé, qui part le matin de bonne heure. Bon, lui, il fait de la carpe, donc c'est encore plus posé, tu vois. J'ai repris le micro un peu vite, j'espère que je ne module pas. Je disais, l'ami qui y va, il a sa petite doigt de charnier qui l'amène au bord de l'eau. Il a la radio dedans, donc il fait la CB en même temps. Il fait Internet aussi en même temps. Enfin, tout, la totale, quoi. Après, c'est ça, après. Ah, mais faut se... Vas-y, Ludo. Oui, désolé. Il y a un petit frigo avec les bières et tout ça, et puis qu'est-ce que je veux dire, une application sur le téléphone là, qui te dit où va lancer les poissons, non? Non, pas jusque-là quand même, mais le petit frigo, quelquefois, il y a la glacière qui va bien, c'est sûr. Hein. Ah ben, il faut ce qu'il faut, hein. Parce qu'il ne faut pas se déshydrater et puis boire de ça non plus. Ah ben ça c'est le comble pour un pêcheur de déshydrater, ils ont réussi. je peux plus petit peu avec la tuche. Le jour de l'ouverture, j'en ai fait le plein, parce que maintenant, c'est autorisé à... On peut attraper que par jour 8 truites maximum, c'est réglementé. J'avais fait le plein, je crois que je l'avais donné à l'époque, c'était des gens qui en avaient pris, je crois. Il y avait Pascal qui en avait pris, puis je ne sais plus qui. Je ne sais pas si c'est pas Patrick, que Papy le remédage aussi. Oui, mais j'étais parti dans le dépôt. Donc, c'est pour le plaisir. C'est surtout pour... le plaisir de d'être en plein air et puis ça permet de se ressourcer. Et il y a des moments où ça fait vraiment du bien. Si t'es dans le calme, t'es tranquille. Quoi. Voilà, voilà. Bon, monsieur, je pense à plus long parce que je commence à fatiguer. Tu vois, je lui ai dit que je restais pas trop longtemps, mais je papote. Donc, Ludo, les 73, Fredo, les amitiés aussi, ainsi que. À Ludo, voilà, je vous salue à tous, et puis je vous écoute partir là. Donc je vous dis bonne continuation de QSO, et puis n'hésitez pas, pour un fond, je suis toujours là, voilà. Donc, vous m'avez compris, oui. Allez, les amis, et puis à plus tard, voilà, pour moi, c'était 14 de Victoire Hugo 7 qui passe en QRT. Allez, retour Ludo. Yeah.
à bientôt. Ouais, je crois qu'il va falloir que vous vous caliez ça, là, tous les deux, hein, Eric et Doudou, là, pour une petite tarte pêche. Petite parenthèse, là, Doudou, je regarde ta vidéo, là, quand tu modules, on voit bien les LED là, de l'ampli et la façade du poste, là, du Lincoln, qui baisse, hein, au niveau de l'affichage. Enfin, on voit que ça clignote légèrement, là, ça vacille, là, au niveau de l'affichage. Donc, à mon avis, ouais, c'est pas un montage, là, c'est ton allume cigare, très, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mon avis, t'as quelque part, et déjà pas tourné en plein régime sur le matériel, ce qui fait que tu dois perdre pas mal, hein, parce que vu comment ça clignote, je pense pas que ça puisse faire autant, quoi. Non, enfin, ça devrait pas le faire autant, il me semble, hein, parce qu'on voit bien l'image, là, que ça... Tchou. Avec le décalage qu'il y a entre le réel là, sur la radio et sur internet, j'ai pas eu le temps de voir. Là, je vois juste maintenant que tu viens d'allumer la lumière. Donc, peut-être que le prochain passage, mais en même temps, j'avais la lumière, on le voit moins. Donc, il faudrait déjà essayer de bouger de trop, sinon ça va être compliqué. Enfin, ça va pas faciliter le truc, que tu te cadres bien, là, tu te bouges plus, et puis tu reprends le micro, tu vas quoi. Mais ne bouge plus, je t'ai dit. Enfin, voilà, tout pris, quoi, ça, c'est pas évident. Mais on le voit quand même qu'il y a une faiblesse, qu'un mot de vie qui fait que ça va pas mal, quoi. Quand je modulais en USB, il y a des à-coups
la boîte à fusible, là j'ai une cigare, là qui a un fil de petite sécheresse. Donc ouais, il faudrait faire un petit quelque chose. On va faire un petit chose à ce niveau-là, puis voilà, le bise en place un coup parce que le fusil il lâche avec l'alpha lima qui est derrière. Donc voilà, faire attention. Mais bon, ça a l'air de tenir, donc je ne change rien de double dans l'instant, mais si je peux avoir une alimentation plus vite, le best, le mieux à faire, c'est d'avoir de partir directement de la batterie avec un fusil de quand même de protection. Bon, je suis dans 5 super, et comme ça c'est tranquille. Et puis comme ça c'est nickel. Tu peux alimenter ton poste sans problème. Voilà, mon conseil. Que sur la voiture que sur mon couche là, quand j'ai augmenté les postes, j'ai vite abandonné la prise avec une cigarette, je peux sécuriser tellement ça s'est baissé la tension, donc même le moteur ruiné. Donc voilà ce que j'ai envie. Ouais, j'en ai un, de doute, qu'est-ce qu'il te reste à faire hein. Tu trouves n'importe quel moyen pour trouver une bonne, qu'on appelle ça, un bon endroit là, pour piquer le jus là, voilà quoi. Il faut que tu trouves une solution à ce souci là, à mon avis. Ouais, ça vaut le coup quoi, t'as de quoi y gagner, sécuriser ta prise de courant là pour alimenter ton poste et ton ampli quoi. Et tu vas pas gagner des 110 000, mais à mon avis ça ne sera que mieux aussi pour le mal, parce que le faire fonctionner comme ça sous des intentions trop basses, ben c'est pas bon hein. Et puis forcément le rendement derrière il est pas optimal. Et puis surtout comme ça quand t'es isolé là à la campagne, t'arrives même chez moi qui suis quoi, à Val d'Oiseau, à même pas. Il devrait y avoir quoi, aller à 2 km et de faire arriver plein pot quoi, vraiment plein pot, surtout avec 150 euros de quoi. Tu vas arriver, je sais pas, plus quelque chose quoi. À mon avis, et tu dois avoir, je pense, quelque part une connexion. C'est obligé, à mon avis, qu'il y ait une connexion de possible. C'est obligé parce qu'ils savent très bien que les camionneurs utilisent plein de choses dans leur cabine. Il doit y avoir moyen de pouvoir connecter ça sur un camion, un petit camion, enfin, je sais pas quoi. Après, je me disais là tout à l'heure. Si je sais pas si t'es vraiment très bricoleur ou si t'as du matériel pour pouvoir bricoler, moi je peux te dépanner si tu veux, ça, ou te prêter main forte là, j'ai de quoi bricoler à la maison, de quoi te faire rentrer le camion si tu veux aussi, à la place devant l'atelier, même si c'est un semi, hein, si je fais la remorque avec toi ou pas toujours, tu me diras ça au prochain passage là, pour venir bricoler à la maison, pour t'arranger ça, ou ça ou autre chose, n'importe. Hein. Voilà, c'est toi. Je sais pas d'ailleurs, tiens, toi, tu me dis aussi si c'est vraiment ton camion perso, ou si c'est un camion que tu loues, si c'est un camion que. Enfin voilà, tu viens de dire tout ça à toi de nous. Le gainer, proprement pour éviter que ça s'abîme justement lors des manipulations pour lever la cabine et tout ça. Ouais, bon, il doit y avoir une astuce. Hein. Je regarderai sur internet là, il doit y avoir quelques combines qui traînent là sur le net pour ce genre de trucs là. Peut-être pas pour qu'il y ait un rapport avec la radio, mais comment on appelle ça, le courant dans un canot, que ce soit pour la radio ou pour autre chose, à mon avis, c'est pareil, le principe. Donc, pouvoir en tirer quelque chose là sur internet. Et après, comme je t'ai dit, ouais, on se cale un truc là. Pas le week-end prochain, je te dis tout de suite, parce que c'est l'anniversaire de ma dernière fille. Donc, là encore, voilà, pour recommencer encore bien l'année. Un bon boulot à la maison, donc ce qui fait que voilà, c'est cuit.
prévue pour le week-end prochain. Donc après, ben, ça pourra être le week-end d'après. Et parce qu'après, pour la semaine, ben, forcément, train, quoi. Boulot, maison, dodo. Quoi. Le soir, il fait nuit, il est pas beau. Pour laisser dans le camion, c'est pas toi, toi. Enfin, tu vois le truc, quoi. Même s'il y a de la lumière et tout, on va se peler dehors. Et puis voilà, j'ai pas envie de retomber malade, c'est bon. J'ai eu droit, là, c'est bon. J'ai eu ma dose. donc ouais, on pourra se caler ça, il n'y a pas de souci. Moi ce sera les puis en même temps on fera un visu et puis moi j'ai jamais trop bricolé sur un camion, c'est vrai. Sur des moins gros oui, mais sur un gros gros là, non, je crois pas. Je me rappelle comme en test dans l'occasion de surtout camion. Enfin la jambe des camions parce que je crois que même un gros camion, je n'ai jamais monté dedans. Enfin si, à l'arrêt oui, pas en roulant. Donc ça peut être voilà un deuxième aussi. C'est un second premier, voilà, vas-y dedans.